Pour première fois, Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires dans l'ambassade américaine, chita pour le détailler green par green chaque sanction pays États-Unis décidé prendre contre bandits, contre commanditaires politiciens hommes d'affaires en Haïti qui a financé à commanditer à criminels en dedans pays. On parle qu'on est green par green qui sa sanction ça et qui conséquences qui a gagné sous politiciens ça yo, sous bandits ça yo, sous nèg dans secteur privé ça yo qui yo même yo gen relation avec bandits qui a crasé pays. FBI récit décidé pour déceler plusieurs actes d'accusation pénale qui concernaient chef gang en Haïti avec différents autres mundou qui a commandité gangs à criminels dans pays. On va connaître toute information ça yo quand pilote. C'est non, un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui dans l'émission pour là, mon éditorial avec Yannick. Eh bien, aujourd'hui là, n'a continué faire même exercice par les pays. Partager information, regarder comment nous ka aider pour nous porter une solution avec différentes catégories de problèmes Haïti a fait face dans moment là. Préparons nous pral par les pays dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Annoncé dans le commencement de l'émission, eh bien, Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires dans l'ambassade américaine, lui déclaré que les États-Unis déterminaient là pour identifier chaque grain criminel, chaque nègre qui campait des insécurités, des actes de violence qui gagnaient en dedans pays. États-Unis préoccupés en pile. États-Unis ont un paquet de soucis dans ce moment-là pour ça qui a passé en Haïti. Situation sanitaire, situation sécuritaire pays qui fin dégénéré, qui fin aggravé. Qui ça yo ka fait? Comment yo ka aider Haïtiens Haïti sortir dans problème nié là? Par rapport avec situation pays qui fin aggravé, eh bien, yo estimé c'est bon moment pour yo réagir. C'est bon moment pour yo intervenir, pour yo aider Haïti faire face avec problème insécurité. C'est pas seulement bandit yo, c'est pas seulement iso, ti la pli, la mort sans jouvité l'homme, etc. qui principal problème pays dans ça qui gen pour avec insécurité. Mais yo fait qu'on est tout. Gagner des hommes politiques, gagner nèg dans secteur privé des affaires là, gagner nèg dans société civile là, yo même tout yo c'est des commanditaires, yo même tout yo gen droit yo trempé dans insécurité. Mais kon bagay extrêmement te oublié pour le dire dès le départ. Parce que zam qui a sorti États-Unis qui rentre à Haïti, zam ça yo bandi yo gen, chef gang yo gen, soldat yo gen nan men yo, k'ap terroriser population, k'ap touyer petit peuple là. C'est la caille yo sorti, yo rentré en Haïti. C'est aux États-Unis zam ça yo acheté, yo rentré en Haïti. Est-ce que nous comprenons? Dès le départ, si vraiment États-Unis livre les fonds bagay pour Haïti, soit disant chacun a préparé États-Unis avec Haïti, ses bons amis, il a coopéré depuis bien longtemps, etc. Premier bagay pour faire pour aider nos amis, c'est garder côté malin, c'est garder mal qu'a plongé là, comment qu'a aider pour gérer problème là. C'est pas mettre sanction, c'est pas prendre sanction contre ISO, contre s'il appli ou bien mettre mandat, etc. dans le dossier ça, ou bien c'est pas sanctionner des séries de politiciens, nous identifier comme problème, comme moun qui a instrumentalisé sécurité, comme moun qui a instrumentalisé violence dans le pays, qui a relation à gang, c'est pas seulement sanctionner yo. Mais c'est depuis la caille nous essayer de prendre disposition pour nous freiner question trafic d'armes, non? C'est depuis la caille nous essayer de prendre toute disposition possible, garder qui formule nous qu'a employé pour aider Haïti, pour aider le gouvernement qui l'a, l'administration qui l'a, pour regarder comment yo ka gérer question zam k'ap rentran de pays de manière illégale. En statistique qui te fait depuis année 2021, yo fait qu'on ait gagné près de 500 000 zam illégales k'ap circuler en dedans pays. Nous 2021, oui. Jodi en là, combien nous gagne? Jodi en 8 novembre 2022. Si en 2021, il était 500 000, je dis en la il y a presque 1 million d'armes illégales qui circulent en dedans pays. Tout le monde a des armes dans le yo. Je dis en li plus facile pour un jeune qui a accès avec un arme, pour la terroriser moun, pour la faire kidnapping, rentrer dans gang, etc. Que vous offrez jeune une possibilité pour aller faire un travail qui descend. Que tu as gagné création d'emploi en Haïti. Donc, depuis là, nous sentons Eric Stromayer, chargé d'affaires américain, il commence à faire fly. Il commence à faire fly. C'est vrai, nous voulons aider Haïti. Nous disons nous voulons aider Haïti pour nous aider dans la question de sécurité, pour nous prendre sanction, résolution, voter, etc. Nous prenons sanction contre différentes personnalités politiques de notre pays. Mais ça pas suffit. Sanction yo kaye vraiment le yo commencé à appliquer sanction yo le yo commencé le nèg ça yo commencé perdu bien yo les nèg ça yo commencé ouais gagne gros sanction financière qu'a prend sous bien yo sous ça yo gagne sous l'argent yo t'a fait malement dedans pays kounya le ça au moins sanction commencé nèg yo commencé senti conséquences actes criminels y a fait dedans pays mais tout si nèg là toujours gagne possibilité pour le faire zam rentrer. Il y a possibilité pour le contrôler port pour rentrer pour lui. C'est comme si c'est corvé, c'est lavé, mais si y a qu'à fait. Donc, il est extrêmement important si les États-Unis veulent aider Haïti, j'ai dit là, si Eric Stromayer, il y a nécessité vraiment pour les États-Unis aider Haïti, faut que commencer à contrôler le trafic d'armes qu'a fait, sortir États-Unis, rentrer en Haïti. Il continue pour le dire, il y a un petit groupe, moun nan élite politique là, un petit groupe moun nan élite économique là ak social en dedans pays qui yo même yo utiliser ça yo gen comme fonction et gen même moun qui à l'étranger qui vivent en dehors pays yo utiliser Haïti comme pont pour yo faire l'argent. Yo utiliser Haïti comme pont pour yo enrichir yo. Nèg ki nan élite économique nous guettons ouais c'est oligarque corrompu yo nèg guinan élite politique nous guettons ouais c'est nèg ça qui fait politique matin midi soir dedans pays qui empêche petite noire l'école qui empêche le travail qui empêche pays en stabilité yo dans opposition tantôt yo dans pouvoir tantôt y a créé instabilité politique y a créé conflit politique yo des massacres qui fait dans dedans pays mais c'est pas jamais yo même. Eh bien, je dis, États-Unis, li dou, li conscient de problèmes politiques qui gagnent, etc. Et, yo fini par identifier élite sa yo comme moun qui derrière toutes actes violence, toute instabilité qui gagne en dedans pays. Mais bon, l'autre aspect qui est important pour nous, ouais. Je dis, États-Unis, yo longe d'ouet, yo sanctionné Lambert à Curie, mais c'est même moun sa yo, qui t'en a élite politique, ça, à un certain moment, 10, 20, 30 dernières années, ça, yo, négociation pas fait sans yo, chita parler pas fait sans yo, dialogue pas fait sans yo. Parce que le ça, yo était important, c'était élite qui était important pour les États-Unis, c'était élite qui était important pour la communauté internationale, là. Et jodi, n'a conscient que, moun sa yo ka fait politique depuis 20, 30 dernières années, ça, yo, c'est yo même États-Unis, c'est yo même communauté internationale, là, utiliser leur besoin de stabiliser pays. C'est yo même yo utiliser leur besoin de créer conflit politique en dedans pays, conflit yo pas jamais vin pourquoi yo, ok? L'autant des pays ont crise là, pays ont problème qui crée une instabilité là, ont problème n'a gon problème sous table, yo pas jamais ka joindre solution, autant des blancs dou problème haïtien solution haïtienne. Ça c'est apparencier parce que yo gen connaît moun qui ka mettre solution sous table là dans problème politique là c'est élite là. Alors que même élite ça yo divisé en camp en opposition politique. On kan ap kore gouvernement ap kore pouvoir mais le gon chita parler qui pour fait le gen délégation k'ap rentré premier moun yo rencontré qui est yo rencontré élite politique clan ça qui a supporté pouvoir et là on fin passer tout l'ordre là on fin d'accord avec yo fin passer yo fin faire compromis yo fin dialoguer ensemble. Leur choisir rencontrer opposition politique là. Yo pas rencontrer opposition politique là pour aller convaincre de quoi que ce soit. Yo rencontrer opposition politique parce que c'est usage, c'est respect peut-être yo kabay nèg yo, mais au final yo gèt connait délégation mais qui ça vient faire en Haïti. Mais qui ça sinon, on nous font logique. Le Jovenel Moïse, la président Jovenel Moïse il fait 4 ans sous pouvoir avec opposition qui a déstabilisé. Avec opposition 4 manifestations sans ramper. 4 4 ans, et nèg yo prend la rue, ti moun pa ka l'école, pays bloqué, pays lock, etc. C'est violence politique qu'a fait. C'est massacre qu'a fait dans le pays. Est-ce que nous, nèg sa yo te jamais en mesure pour yo te chavirer Jovenel Moïse? C'est pas parce que à l'époque, opposition pas de gain poids, non? Opposition sous Jovenel Moïse, c'est opposition qui te gain poids, mais nèg sa yo qui t'a supporté pouvoir Jovenel Moïse, administration Jovenel là. Eh bien, bon, qui ça non seulement au terrain international avec eux, mais moun sa yo qui était dans le pouvoir avec le président Jovenel Moïse à l'époque, yo terrain international tout comme allié. C'est pas seulement Jovenel Moïse qui était international comme allié, mais tout le monde qui a supporté le pouvoir Jovenel là à l'époque, yo terrain international comme allié avec eux. Jodi an c'est le même bagay là pour Ariel Henry. C'est même bagay là pour Ariel Henry, sauf que moun sa yo qui dans opposition politique là jodi an, yo pas véritablement gon force. Yo pas véritablement gon force et c'est une des raisons Ariel li joué zel 4 André Michel SDPA li prend moun sa yo le mettre en bas ventio yo pas besoin qu'on douleur peuple yo pas besoin qu'on sou pas ka manger sou pas ka voyer petit tout l'école yo pas besoin qu'on si gang a voyer let a grain balle là dans pour terroriser pour fort courir quitter caillou aller pour faire vendre toutes sortes gagne comme bien yo même yo dans pouvoir yo même yo gen stabilité économique yo t'a cherché sous Jovenel Moïse pas de ka joindre ni et hier m'a tande André Michel k'ap dou et c'est sous Jovenel Moïse qui te gen massacre mais kounya ba gen massacre sous Jovenel Moïse il fait qu'on est massacre qui te gen yo c'était massacre massacre l'état. OK? Et comme si c'est gouvernement qui t'a orchestré massacre ça yo. C'est massacre pouvoir yo etc. Jodi an ça gagnant, gang qui terrorise population, qui touye moun yo, 10 moun, 15 moun, 20 moun en victime babal bandi, yo pas massacre pour André Michel. Ça qui plus grave là, c'est là attendez dans bouche étranger, dans bouche chargé d'affaires américain l'abdou, moun sa yo, politicien sa yo, nèg ki dans secteur privé sa yo, nèg ki dans société civile sa yo, qui mette avec gang avec bandits en dedans pays pour terroriser, pour faire kidnapping sou, pour assassiner, pour faire l'argent sou, nèg sa yo k'ap enrichi sou misère nou. Nèg sa yo k'ap créer conditions instabilité, insécurité en dedans pays, yo faire c'est sous souffrance nou. Y a enrichi yo dans souffrance nous, non pas qu'à manger nous, dans misère nous. Yo créé conditions pour nous pas qu'à vivre en Haïti pendant que yo même y a enrichi yo. Est-ce qu'on entend qui ça? C'est sous souffrance nous, c'est sous ou pas qu'à voir petit tout l'école nèg la enrichi, ou pas qu'à travail nèg la enrichi, alors que c'est même yo même qu'à prend prétexte droit nous violer chaque jour, c'est yo même encore qu'à prend prétexte, yo pas traiter haïtien tant qu'on moun, c'est dans bouchon qu'on sorti encore. Et pourtant c'est yo même qui conditionner la vie nous comme ça, c'est yo même avec gang pareil yo, avec bandit pareil yo qui crée conditions qui fait na fuir paysan, al prend bateau, al mourir dans la mer. C'est nèg sa yo qui responsable. Mais bon l'autre bagaille, même Eric Stromayer ça, journaliste Johnny Ferdinand qui t'a interviewé lui, lui pose la question. Il dit, mais écoute, et nous arrivons identifier différents acteurs, ça yo gang, commanditaire gang yo en dedans pays, mais nous prenons sanction contre eux même. Pour qui ça c'est kounye à sanction ça yo décidé prendre, etc. Ou quand ça le téléphone, même gens États-Unis, rive identifier commanditaire gang yo, rive identifier gang yo, nous même en Haïti tout nous connaissons. Est-ce qu'on entendez? Ça veut dire, li clair avant, même gens yo même yo identifié yo prend sanction contre yo, nous même tout si nous t'a fait pays. Nous même tout si nous voulons faire pays, si nous t'a travail pour nous faire pays, nèg sa yo chaque jour n'a parlé de yo, n'a identifié yo comme moun qui crée instabilité, comme moun qui baï zam dans ghetto, comme moun qui dans relation avec gang dans pays, nous t'a bon la justice, nous t'a bon justice qui faute qui t'a privé sanctionner yo. Si commissaire gouvernement dans pays pas dans concordat gang, si juge instruction dans le pays, pas de concorde avec gang, ok? Si doyen tribunal, yon pas de concorde avec gang, faut que la justice te ka assume responsabilité. Jodi an nou gon justice qui a te plate, c'est parce que premier bagay lan, commissaire du gouvernement qui c'est agent exécutif non judiciaire là, c'est job gang en pile lan yon a fait. Juge d'instruction qui placé pour instruire dossier, pour enquêter sous dossier, faire enquête, en pile fois, c'est travail gang yo y a fait. Que c'est gang à sapatio, que c'est gang à cravate qui bien habillé, bien costumé, qui n'a pas le parlement, qui n'a primature, qui n'a la présidence, c'est travail gang y a fait. Pas même besoin de parler pour doyen qui c'est chef tribunal yo. C'est eux-mêmes qui distribuent dossier, pas même besoin de parler de eux. Nous parlons le plus facile, on t'y malheureux qui vole un bœuf, on t'y malheureux qui vole un poule, pour yon mettre en prison, jamais la jamais passer devant juge. Mais l'autre des nègres là, il y a trafic drogue, l'autre des nègres là, il y a trafic zam, l'autre des nègres ça, il a fait tout ça passe, la corruption, la fait dilapidation, l'argent l'État, la fait détournement fonds publics, moun sa yo mon cher, officiel passé yon pas gagné. Tout volet c'est volé, volet bœuf là c'est volé, volet l'argent l'État c'est volé, nèg ka fait trafic zam c'est volé. Eh bien jodi an ou est différence, c'est que nèg sa yo, yo utilise statut yo gagné, yo utilise fonction yo gagné pour yo créer plus d'instabilité, mettre dans instabilité hein, créer condition pour pas sortir dans instabilité et entre-temps yo même y a tiré profit là-dedans. Yo continue. Eric Stromayer continue pour le dou, département d'État américain li gen tan imposer restriction visa avec nèg sa yo. Nous gen tan connait ça déjà. Tout nèg qui commet zak malhonnête sa yo, forfait sa yo, et tout nèg qui encourager violence en dedans pays. Li continue pour le dire, États-Unis paraît pour empêcher tout acteur malveillant sa yo, tout membre famille pour yo piler sur l'américain. Et y a continuer à ajouter non en listant toujours au fur et à mesure que yo arrive identifier responsable situation tragique na vivre en dedans pays. Et d'ailleurs gen l'autre sanction nèg sa yo pral recevoir nan jou ka vini là, c'est sûr que kou yo pral commencer toucher bel kay yo gen nan pays étranger yo, kou yo pral commencer fermer compte en banque yo gen nan pays étranger yo, c'est le ça nous pral wè réellement combien nèg ki nan gang en Haïti, combien sénateurs, anciens sénateurs, députés et diplomates, oh consul honoraire et des séries de gros businessmen de la République, des séries de gros et comment yo et actionnaires dans gros entreprises yo qui n'a gang dedans pays, qui a financé gang dedans pays. C'est là ça n'a privé identifié yo. Il bien longtemps lanceur d'alerte a parlé de yo. Mais nèg ça yo yo intouchable en Haïti. Yo intouchable en Haïti, son château de sable yoé. Nous pas camerin yo nous-mêmes, c'est l'autre bord de l'autre camerin yo, c'est blanc camerin yo et d'ailleurs le blanc fait li pas fait le même toujours dis nous ça. Si nous voulons tirer un profit de ça États-Unis Canada prend comme sanction contre nèg sa yo, c'est la justice qui pour faire. Et nèg sa yo assuré yo que yo craser la justice. Yo craser justice. Eh bien dossier gang résolution États-Unis avec Mexique prend sous question insécurité gang en Haïti, nèg cap commandité gang en Haïti son château sablier. Ou a yo montre Lambert avec Yuri là, et bien yo commence à casser pied nèg yo, ou gen pou wè tout bagay atterri sou là, et c'est pas seulement nèg sa yo. Nous même en Haïti nous t'a prendre responsabilité, nous gon paquet non. Gon paquet nèg ki rele tête yo bandi légal nèg sa yo, faut que ta un côté pour y a réfléchir. Faut que ta un côté pour machine pas frapper yo parce que nous conscients c'est yo même qui mette pays en là et yo assumer ça yo gagné comme faute. Yo assumer. En parlant de bandit légal, l'opron nèg ta kou sénateur Joseph Lambert. Li son bandit légal, m'ba l'explique. On nèg, États-Unis décide prendre sanction contre li jodi là. Mais le passé 25 ans en carrière politique li la fait job blanc, la fait chou blanc. Et en 2010, li a avoué que li participait dans coulé Jude Célestin. Yo participé dans truquer résultat élection au profit de l'international, au profit des États-Unis. On est comme ça qui pas peur pour l'avouer ça le fait, pour l'avouer faute li, pour le dou, mais qui ça le fait, c'est pas au profit du peuple haïtien. C'est pas que Jude Célestin te kabay résultat ou bien pas te kabay résultat non, mais quand même là, n'a parlé de élection honnête, n'a parlé de élection libre, n'a parlé de élection démocratique, en tant que sénateur de la République, ou participer non malpropre comme ça, ou participer non magouille comme ça, dans l'intérêt États-Unis, dans l'intérêt blanc. Et puis jodi on t'a vle moun pour sérieux et c'est depuis les nèg sa yo fin confortable pour yo faire action ça yo, qui ba yo plus force parce que yo senti blanc redevable vers eux-mêmes. Exactement, l'on fin font action comme ça au profit de l'international, au profit des États-Unis d'Amérique. Blanc pour comme bon moun. Ou même moi bien te mettre dans situation pour demander blanc faveur ou faire job blanc. Ça te attend non faire ou balil ou bal résultat te espérer. Donc ou vinn mettre dans situation pense c'est mettre pays ou pense au café sauver ou ka ouvert corps ou fait sauver en dedans pays utiliser fonction pour faire malpropreté, pour faire malversation en dedans pays. Ou pas t'attendre ni une fois. pas attendre une fois et ça aurait la route tournant, ou pas attendre le revers de la médaille là, ou pas attendre que karma t'a vinn tourner dans boule figure et puis jodi là, mais c'est ou même qui prend humiliation, qui prend coup de bête, qui prend déception. Coup de bec États-Unis bay nèg sa yo là mon cher, faut nèg sa yo ta genné nan figyo, mais malheureusement nous ouais nèg sa yo ka fait politique en Haïti, ça crée les nèg nan figyan, ça crée les honnêteté, ça crée les crédibilité, ça crée les soucis, yo pas gagné. Yo pas gagné. L'on prend ancien président Michel Joseph Martelly, ça c'est le fils du système. C'est le fils du système. Si yo pas de bon intérêt qui aussi palpable, qui aussi concret dans mental, ou pense yo t'a demandé pour yo truquer résultat élection à son profit dans intérêt. Nous pensons ça, nous croyons ça, c'est parce que li te vini avec tout agenda, li ti agenda bien rempli, li pral vini pendant 5 ans là, vinn fait exactement ça papa le voyait faire. Et c'est une des raisons suivent pour ouais. Moi-même, gros bagay m'pa admettre l'on moun dim et c'est 10 ans PHTK qui gangsterise pays comme ça. Quand on André Michel qu'on a dit oh pays gangsterisé c'est 10 ans PHTK non. PHTK a grave situation pays. PHTK mettait l'huile sous du feu. OK? PHTK a grave situation mais nous t'avons pays déjà qui te gangsterisé, qui te gen nèg ak zam illégal, nous t'avons pays situation était déjà compliquée, catastrophique. Chaque transition passe dans pays son l'eau nèg ak zam li bay. Son lot corruption le donné d'elle, qu'on y a abandonné les nèg PHTK vinn monter pouvoir yo dou yo prend pouvoir pour 25 ans. 25 ans ça on mettait dans tête yo prend pouvoir, c'est 25 ans pour yo faire plan américain, c'est 25 ans pour yo faire ça yo gagner comme agenda pour yo exécuter et jodi là nous on pays qui presque vivable. Nous on pays presque pas qu'à vivre là-dedans ou presque pas qu'à espérer rien dedans pays parce que son projet qui bien défini, qui bien tracé que nèg yo a exécuter. Pourquoi Martelly? Yon nèg qui pa gen aucun atout politique, yon nèg c'est tomber dans politique. Non pour qui ça c'est lui-même? C'est lui parmi tout choix qui te gen sous table qui pi malléable. C'est lui-même qui te rassemblé un pantin politique. Exactement pendant 5 ans le fait en pile mon abdo Martelly li joue un rôle stratège, il finit mandat etc. C'est lui-même qui te veut aller volontairement, qui te tire restant là bas privé mais tout dirigeant Martelly t'a dirigé, c'était le blanc. C'était le blanc qui prenait les décisions à sa place. Et qu'on y a le matin, lui-même, lui finit senti pendant tout le temps le faire, sentir confortable. Qu'on y a, lui jetait des volus sur Jovenel Moïse, lui mettait Jovenel Moïse dans tel pays, et puis, ça, il pral faire Jovenel Moïse tourner marionnette, lui. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Jovenel Moïse, il fait coup de crayon pâle. Il commence à dénoncer ça nèg yo gagné comme agenda yo même tout pour yo enrichir yo créer plus souffrance dans pays plus misère enrichir yo faire l'argent nèg yo faire l'argent sous toute activité qui gagne dans pays commerce ça c'est yo même yo fait l'argent dans commerce yo fait l'argent dans télécommunication yo prend douane yo prend port yo prend tout bagaille malheureux pas qu'à vivre l'autre de André Michel te dou malheureux pas dans fête là. Malheureux, comment malheureux faire vivre, malheureux pas dans fait, etc. C'est ton réalité liée à nèg sa qui t'a dirigé, qui t'a fait aider faire dans le pays. Malheureux pas de gain accès pour sourd, pas de gain accès pour vivre, pas de gain accès pour faire rien. Mais je dis là, faut que André Michel t'a reposé cette application pour l'ouest est-ce que gain vie toujours pour malheureux. Est-ce que malheureux qu'a fêté Noël dans moment ça toujours? Parce que yo continue avec même agenda américain, même agenda international là. Mais quand aucun nèg vinn zim là, c'est travail peuple haïtien a faire, c'est pour retirer Haïti côté li a là. Pas mon nèg ou qui avec Ariel, c'est pas job blanc la fait. Et d'ailleurs Stromayer dans moment là, ou est chargé d'affaires américain, ou est secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ou est sous-secrétaire et dans affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, tout a pris des décisions, y a dou, États-Unis a sanctionné, États-Unis a pris sanction financière, États-Unis a révoqué visa, etc. C'est dans l'intérêt du blanc. Moun sa yo bay blanc problème, y a bay blanc fil à retour, blanc tapé yo. Blanc tapé yo. Mais quand il faut, nous-mêmes, nous autres, agir dans l'intérêt d'Haïti, faut nous faire, faut nous avancer. Et comment nous avancer? C'est commencer à prendre sanction au niveau de la justice en Haïti contre nèg sa yo, série contre nèg sa yo. Et puis qu'on y a nous qu'à espérer, qu'on aller mieux. Mais sinon, ouais nèg lan, au lieu li mette kol non ti quoi, au lieu la chercher un côté pour la crier, oui. Au lieu la chercher un côté pour la crier, pour la plaindre, nous voyons libre pour parler dans toute radio. Sous prétexte de censurer, les États-Unis mettent babouquette dans bouche. Moi, je regarde des séries de partisans, c'est partisans exagérés. Ils disent, oh, depuis blanc, parler, c'est parole l'évangile. Mais qui est-ce qui ne connaît pas exagéré, pas de bon monde déjà? La République te connaît pas de bon monde, mais exagéré tellement influent dans le pays. On ne peut pas dénoncer vraiment. Même leur dénoncer, on ne voit pas qu'à passer. Voir pas qu'à passer. Kounia, Eric Stromayer continue pour le dire, mais quand elle commence à menacer les gens, gen menace tout parce que m'pa connait c'est parce que nèg yo senti et Lambert pour un pic un vaccin la ka fait le parler li allait dit créole parler créole comprendre Eric Stromayer parler ti créole tout créole parler créole comprendre en tout cas papa moi m'pa connait qui ça gen derrière créole parler créole comprendre pas connait c'est nèg yo te kon al chital boit ti clairin ensemble c'est nèg yo kon al chital boit ti café ensemble manger ti pain sec ensemble donc c'est yo connait qui ça gen derrière créole parler créole comprendre mais il te profiter pour l'exhorter moun yo et dans période côté choléra fait ravage dans 6 départements de dans pays pour moun yo al roi médecin si yo senti yo pas bien etc etc. Koun y a n'a rentrer dans deuxième point qui a dominé l'actualité hier et gagné information qui a circulé côté que et département d'État américain là mettons paquet l'argent sous tête et 3 chefs gang vite l'homme en million et gagné l'homme sans jour qui gon million sous tête lui et gagné et Germaine Stephenson alias Gaspillard qui gagne $1 million américain sur tête là, gagne numéro qui disponible, sous gagne information sous chef gang ça yo criminel bandit notoire ça pour partager information pas jamais connaît ou ka millionnaire. Mais ça qui attire attention nous c'est le fait que bandit ça yo depuis le yo fin prend yon en dedans et pénitentiaire national FBI débarqué le prend yon là avec lui, Saint-Domingue yo prend zo si David yo ala avec lui, yo te pour l'autre troisième tout qui c'est cousin yo ala avec lui et là ça me songe et mais je ça te fait connait oh lui même son petit voyage à le faire yo pas marré, yo pas minotel etc. Li juste monter États-Unis sans visa, sans passeport, li aller Caille Blanc. Kounye a yo fait connait que gagné et procureur américain Matthew Graves yo finalement déceler toute acte d'accusation pénale qui gagnait et qui gagnait dans ça qui gagne pour avec 6 chefs gang qui ont même gagné 7 chefs d'accusation sous l'eau. Et parmi différents et chefs gang ça yo ou pral joindre l'homme sans jour, vite l'homme, Gaspillage, Zo et puis Ti David etc. et Zo et Ti David ou pral joindre yon tout qui la donne. Kounya ça qui doit attirer attention, c'est le fait que en Haïti là, m'pa connait si c'est partisan l'homme sans jour ou bien partisan vite l'homme. Mais c'est plus partisan vite l'homme l'homme sans jour, l'homme pral temps des bagailles là. Gen information qui circule qui fait quoi? C'est vite l'homme qui te kidnappé 16 ressortissants américains. Les kidnappés, la série dans la base et 400 marozo, la série et 400 marozo même, et à l'époque, l'homme sans jour, il profitait à faire gouvernement haïtien en chantage pour commander libération, dans le pénitencier national. Mais ce qui, bagaille ça, il n'est pas important, ok? Il n'est pas important pour la simple bonne raison que vous êtes kidnappé, que vous êtes séquestré, li toujours équivalent avec kidnapping. Vous toujours assimilé à kidnappeur, enlèvement, séquestration, demande de rançon. OK? Eh bien, situation est extrêmement compliquée là, parce que nèg yo, chef gang ça yo pas connait si soldat yo pas prend numéro à relé. Yo pas connait qui est-ce qui va le livrer yo, yo pas connait qui est-ce qui va le dénoncer yo, mais bon l'autre aspect qui est extrêmement important. Imaginons le chef gang d'en vite l'homme qui a opéré chaque jour, bon Dieu, mettait en bas bouche ambassade américaine, qui a opéré dans torsel, qui a opéré dans tabac, et puis, obligé mettre $1 million sous tête li. Nous rentrons en Haïti, j'en oublie, rentre en Haïti, j'en oublie, vin prend citoyen haïtien. FBI rentre en Haïti, j'en oublie, vin fait ça, oublie, et puis, je dis, on se mettait $1 million, se mettait, c'est mettre et prime sous tête nèg ça yo, c'est ça qui pral peut-être booster et volonté haïtien gagne pour ta livrer nèg ça yo, c'est pas haïtien non, pas haïtien ta remè wè nèg ça yo pas là encore oui, yo ta remè wè tout nèg ça yo passer à l'infinitif oui, mais c'est que en Haïti nèg ça yo gagne gros bras derrière banane yo. Nèg sa yo genye gros bras k'ap supporter yo. Li vin paraît presque difficile pour un bon policier m'a parlé qui lui même gon engagement, gon mission, li vle respecter en dedans institution qui se protéger et servir population pour le faire travailler correctement parce que même bandi sa yo gen machine plaque officielle, même bandi sa yo gen sénateur, gen directeur général, gen ministre qui a dit là avec yo, gen allié pouvoir qui a dit là avec yo. Li vin paraît presque difficile. Jodi si vraiment FBI, si vraiment département d'État américain, yo besoin l'homme sans jour. Si vraiment yo besoin éviter l'homme, yo besoin gaspillage, même moi gen mandat qui gen des ti la pli, mandat des ISO, mandat des différents autres chefs gang qui a opéré en dedans pays. Mais yo connaît qui ça pour yo faire? Yo connaît qui ça pour faire? Si vraiment yo voulez limiter les gars yo, premier bagage c'est empêcher que zam vienne en Haïti. C'est empêcher que balle vienne en Haïti. Automatiquement nèg ça yo pas ka gen accès pour yo joindre balle, yo pas ka gen accès pour yo joindre zam. Au moins kounya ou ka contrôler puissance de feu nèg là, ou ka contrôler comportement, ou ka contrôler et action et réaction. Yo pas fait, c'est business qu'a fait, c'est commerce qu'a fait. Yo ka toujours gen l'argent pour yo mettre comme prime, yo ka toujours gen l'argent pour yo promettre moun ki pral ba information, qui pral dénoncer nèg yo. Mais quelque part nèg sa yo, si n'a parlé de ami d'Haïti, j'ai l'impression moun sa yo nous considérer jodi comme des amis haïtiens, c'est des amis que nous gagnons qui pas vraiment amis, mais étant donné c'est seul yo même nous gagnons, nous just quoi non yo nous compter sur yo, nous faire confiance aveugle, et c'est non faire confiance aveugle là, c'est non faire confiance avec pays ça, autorité au livrer Haïti ba yo, autorité au décider faire ça yo mandé yo faire, autorité yo apprend l'ordre et puis yo craser pays. Puis y a aucun nèg qui passe dans tête l'état, dès pour te gagner ou t'as gérer la chose publique, ou t'as gérer administration publique là, ou t'es bon poste ministre, secrétaire d'État, ou t'es bon poste où t'as pris décision, t'as dépensé l'argent l'État, pas vin l'or et bateau coulé, pas vin propose ou t'es fait sorte t'es capable ou t'es essayé. Non, pas essayer en merde. Ou pas essayer en merde. Sous t'es essayé ou t'es ouais pas marcher, t'as démissionné pour le bateau a coulé, puis on dit avant bateau a coulé, t'es gagné tel qui t'es sorti là-dedans, t'es gagné tel qui t'es remettre démission. C'est ça le problème en Haïti. Youn pas démissionné. Yo tout a fait l'argent, yo tout a joué privilège, yo tout a touché l'argent perdu. Am beaucoup n'ya nèg presque pas ka voyager, au moins ti perdu am ça arrête dans caisse l'état. Y arrête dans caisse, y arrête dans trésor public. Ben oui. C'est ça yo fait. Jodi en faut que je nous commence à caler. Et ouais haïtien honnêtement, haïtien compatriotes frères sommes ça nous pour moun collaborer avec nous, moun a besoin en pile patience. Nous toujours à chercher l'impossible. Pour qui ça c'est tel, li pas de ka tel, pour qui ça c'est Lambert avec Yuri, li pas de ka Martelly avec Boulos, li pas de ka Dimitri Vob avec tel, li pas de ka tel avec tel, mais faut commencer en côté. Faut commencer en côté. Et l'on n'a pas les nous voulons changer pays, nous-mêmes nous devons commencer par tout pour nous dire n'a fait révolution. Gien des amis qu'on a parlé, haïtien les oui, ils disent qu'on ça pas comprendre comment haïtien et faire tes chita regarder toujours qui l'on a fait révolution, qui l'on a fait ceci, qui l'on a fait cela. J'en l'a parlé comme si c'est avec l'autre haïtien ou l'a parlé lui-même lui pas haïtien. Donc nous vraiment nous demandons patience, nous demandons tolérance, nous demandons tout pour nous commencer à prendre conscience, vacciner conscience pour nous que Haïti besoin chaque grande petite li, que en Haïti, que en diaspora, n'importe quoi toye sous terre bénissa, faut au moins tirer une leçon de ça qui a passé en Haïti là. En tant que diaspora ou même qui a investi en Haïti ou même capter quelques femmes en Haïti ou même qui permettent à ce que chaque grand haïtien qui vit en Haïti avec 2,3 milliards 3,1 milliards nouveaux et leur fin fait et leur exercice fiscal fini. Dans fin d'année, ils ont fait contrôle, ils ont fait statistique pour regarder la quantité d'argent nous voyons en Haïti. Ils n'ont pas pris nous au sérieux. Chaque gouvernement qui passe, ils prend nous au sérieux seulement leur besoin pour nous entretenir famille nous en Haïti, pour nous voyer l'argent. Mais quand pour nous impliquer nous dans la vie politique de notre pays, ils viennent avec question et la double nationalité n'est pas bizarre dans aucun cas. Yo gen tant déchu nous de nationalité haïtienne nan. Yo prend nationalité haïtienne noir, yo voye jeter. Alors que yo dou ou haïtien sous fait de père et de mère haïtien ou bien de père ou de mère haïtien. Indépendamment de l'autre citoyenneté te ka gen, on te ka bouke qui citoyenneté canadien, mexicain, français, équatorien, salvadorien, etc. Dès que vous faites maman avec papa haïtien ou bien maman ou papa haïtien, ou style haïtien ou haïtien dans le sang, c'est la loi du sang. Faut que nous commençons à camper pour nous défendre l'intérêt nous. Faut que nous commençons à camper. Et suivez pour nous, États-Unis, go pas quelques pays. Go pas quelques pays qui fait partie de soi-disant amis d'Haïti. Ou une réforme constitutionnelle qui pour faire depuis ces points diaspora pour inclure nous dans la constitution véritablement pour nous avoir accès à la vie politique de notre pays. La constitution ça pas jamais passer. Parce que yo connaît depuis nous rentrer, gen bagay k'ap changer, gen discours, gen l'autre discours k'ap changer, gen l'autre moun n'a commencé caléger peuple la moun ki sincère oui s'il vous plaît. A commencé caléger peuple là pour nous prendre direction pour nous changer pays, pour nous refaire pays. Y'a pas d'accord ça. Y'a pas d'accord ça, y'a pas jamais d'accord pour intégrer les politiques pays. Donc jodi là c'est bataille pour faire chaque grand haïtien important, chaque grand haïtien compter dans nouvelle Haïti. Et pas dire nouvelle Haïti pas possible. Nouvelle Haïti impossible. Si vous prenez temps, chita, ou attendez, moi regardez, c'est parce que vous croyez dans un changement. Et si moi même prends temps pour me chita, m'a parler, m'a proposer, c'est parce que moi j'ai une vision, moi on bagay qui ka fait, moi on bagay qui paraît pour le fait. Et pour le rive fait, c'est moi-même, c'est vous même, c'est nous tous ensemble qui pour faire ensemble. Bon bagay qui est important, vous voulez comprendre. Ouais pour nous camper garde blanc danger. Faut que nous agissions en professionnel. Faut que nous connaissions qui comportement nous devons gagner, comment nous devons agir, comment nous devons réagir. Parce que restez avec fait tout le blanc. Restez avec là pour faire tout le blanc. Ou même qui conserve les poupées, ou même qui c'est des professionnels qui parlent pour bailler pays et pour mettre soit gagner comme capacité, comme aptitude au service de pays ou là pour négocier avec blanc. M'kwen nan nou, moun k'ap gade m yo m'kwen nan nou, m'kwen pa gen konze nan nou même, pa gen traite nan nou même, ça qu'arriver, nous choisissons moun n'a marché d'elle comme militant politique etc., comme acteur politique etc., mais nous toute bon vision pour Haïti. Jodi an là nous pas comporter nous comme konze, comme traite politique, on nous pas comporter nous tant kou Jude Iscariot ça yo, Lambert yo, Ri et suite Miki yo non. On nous agit pour intérêt pays nous. On nous agit ensemble pour nous un changement dans pays nous. Et pour changement ça arrive, fait travail positif qu'a fait là, c'est nous-mêmes qui pour supporter. Supporter, partager là avec l'autre ami pour le connaître lui-même comme haïtien, li gen pierre parle, li gen greenwash parle pour le poser dans changement pays. Li gon comportement le doit gagner. Li doit agir en monde sérieux, en professionnel et pas tant pour tirer ça avec politique, petit choule blanc non. Jodi en nouvelle Haïti impossible parce que moi me crois là-dedans ou crois là-dedans et si nous tout crois là-dedans li possible li ka fait. C'est un plaisir pour me avec vous pour me partager émission ou qu'on est fort moi qui doit avec yon séquence qui est mouvant qui pour fort prendre conscience. Partager émission, partager vidéo, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Rendez-vous à le casser pour demain dans même l'heure. Pour rester travail là, pour travail là, continuer dans même souci pour être connecté avec tout ça qu'a fait de positif, de concret en dedans la République. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures de chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la validée, nous prenons le débat.